arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a plus petit pet, ça va un coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation deck avant que les vidéos commencent, les gars, très très important. N'hésitez pas à vous abonner, le chef de Mia pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le feront. Donc, les gars, petit contexte pour les 16 prochaines vidéos. Sauf le temps mondial qui va bientôt sortir, mais ça c'est autre chose. Là, les 16 decks que je vous. Enfin, ce deck que je vous présentais et les 16 prochaines vidéos sont les decks que je vais train, alors que je vais vraiment train, genre vraiment fort. Pour une compétition, donc aujourd'hui c'est genre petit PK Free Spam des familles, donc si vous voulez me soutenir vraiment pouce bleu, abonnement, et puis voilà. Donc on part dans cette première game contre Luxed, qui nous joue un petit esprit soin, j'ai une petite voleuse, donc tranquillement. Esprit soin, on va pas le défendre, ça ne sert à rien. Ok, mais une cage originale, on va laisser snap avec l'archer. Là on peut se permettre, on va mettre pas mal de dommages. En plus on va pouvoir défendre tranquillement. Le petit gobelin est contre-attaqué qu'un fantôme. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal. On va pas se le cacher. Ok, mais des petites recrues. Ça, c'est relou. Comme on a plus de fantôme, on a plus grand-chose pour défendre. Il met une machine en plus. Ça, c'est vraiment chiant. Ok, on va lui mettre un petit PK ici pour tout tanker. Hop. Voilà, parfait. Ça sent que Lewis quand même reste en vie. Lewis qui va rester en vie. Et ça, c'est une blague qui sert à rien puisque... La machine va mourir, donc on va aller la poison, qu'elle meurt simplement. Et si cochon, bah c'est la sauce. Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi? Et en plus la machine ne va pas mourir. Ah si c'est bon. Si je défends plutôt à gauche. Ok, la voleuse qui dash. Est-ce que. Ok, l'esprit a peut-être sauté. J'ai fait défendre à gauche parce qu'il aurait mis l'esprit sinon. Ok. Bon maintenant c'est que c'est du cochon recru. Bon le mec a gros art counter. Tant pis, c'est pas grave. On va aller kite tranquillement cette petite cage. Ce petit gobelin pour aller contre-attaquer tout simplement. Peut-être baisser un petit peu le son. Bon, micro. Ok, il met des recrues, très bien, on va mettre l'archer. On va mettre le fantôme à gauche. Ok, parfait. Le fantôme qui gère. Ouais nickel, c'est bon. Il y en a qui se barrent. On prend quelques coups de colis, rien de trop dramatique. Il met une machine en plus. On va pas la défendre spécialement. Et on aura le PK pour pouvoir défendre ces petits cochons royaux. Et bien en plus il met l'esprit de soin, ça c'est chiant. Est-ce qu'on pourrait tuer au moins un cochon? Parfait. On tue un cochon, on a les ressources électriques pour tuer cette machine. On a peu de chance de ce du rooftop peut faire ce bien parce que c'est vraiment un mauvais matchup quoi. Même si le mec joue quand même une grosse merde, il a un gros counter donc. C'est pas tous les jours facile. Est-ce que le fantôme pourrait prendre un focus? Parfait. Le fantôme qui prend le focus, c'est une très bonne nouvelle. Parfait. Ok. On va essayer de s'installer, faire un push. Un gros push. Ok. Bon. Forcément, il push. Jusque là, c'est logique. Est-ce qu'on peut au moins tuer un seul? Non, on tue pas de cochon. On aura une très très belle contre-attaque. Ok, on n'aura pas... Oh, il a raté. Oh, il a raté. Oh, il y a moyen que ça fasse mal, là. On va tout bourrer d'un côté, il a plus de boule de feu. En plus, il met la machine du mauvais côté, ça c'est parfait. Allez, peut-être. Parfait. Ok, le buddy qui connecte. Ok, là, on a pas mal de choses sur le rinté. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, il met une boule de feu panique. On va aller pour continuer à mettre une pression avec le buddy de combat. S'il met une cage panique, on a... Ok, il met une machine panique. Et on aura l'archéologie pour la terminer. Et on va répondre tout simplement à cette première game. Donc Luxed XD qui avait un Art Counter quasiment parfait. Je pense que c'est du 95-5 entre nous genre. Je ne peux normalement pas passer. Il avait une amie qui n'a pas joué. Et en plus il avait une bûche et pas du barbare pour reset le dash de mon bélier. Donc on a très très bien joué. Je pense que le mec à la fin a un peu paniqué. Et j'ai pu gagner à ça. Et puis on se retrouve dans la prochaine game. Et c'est parti, prochaine game contre famille. Hop. Ok, on va mettre une petite voleuse au pont tranquillement. Ok, Thompson, ça peut être du GR. Ça peut être du molosse. On fait gaffe. C'est du GR. Très très bien. Ok, petit GR squelette.
Ouais, je suis au fantôme, frère. Ok, mon petit gyro squelette. Jusque-là, rien de trop imprévisible. Alors, attendez, je sais même plus ce qu'il y a dans le deck. Il y a une arme squelette. Et une amie, et un pêcheur, et effectivement. Est-ce que on peut peut-être one shot le pêcheur? Non, d'accord. Oh, il force. Force. On aura un bel archer ici pour aller tout snipe avec une petite voleuse. Hop. C'est l'archer touche tout là. Un dernier coup. Parfait, voilà. Et la voleuse qui en plus est grave. Il met une bonne bûche, on va continuer à mettre la pression parce que je pense qu'il a même plus d'élixir en fait, c'est même sûr. Il a peut-être la Thompson en mode panique, à la limite. Ok, bon, un pêcheur, ouais, ça marche aussi. Ok, parfait, bon, ça défend bien de son côté. C'est bien joué. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour passer, tout simplement. Oui. De toute façon, je sais qu'il y a Thompson, donc je vais pas plus forcer que ça avec mon bélier, je vais juste le laisser mourir, tout simplement. Ok, mais le tonceau, voilà, c'était sûr. On va aller mettre simplement... Ok, anti-tweet. Attention au roi squelette qui peut faire très mal. Je pense qu'avec l'archer, on va aller tout simplement snipe. Ok, mais une amie... On va aller apposer le momie. Ça va nous permettre de tuer le roi squelette. Et en plus, il nous donne une value de PK. Donc on dit pardon, parce qu'il y a deux apices qui vont mourir. Ok, mais roi squelette dans le poison, ça c'était pas très intelligent. Ok, ça défend là? Oh putain, ça défend. Oh là là, c'est terrible ça. Ça va faire mal. Ok, ça. Ok, parfait. Pas facile à passer, hein. Ok, on va mettre un petit bélier fond de map. On a pris très très cher à droite. Donc on va pas défendre la mythe simplement. On se tape pas les matchs faciles, hein. Ok, logique, boule de feu. J'essaie de défendre le roi squelette sans PK parce que sinon après il va GR, donc on évite. Hop, voilà, nickel. On a le zap, ok. Le zap qui va venir malheureusement trop tard. En plus je rate mon zap. Ça va peut-être coûter la game ça, hein, d'avoir raté mon zap. Ah vas-y, en plus il force. Ah bien joué de sa part. Non, non, il a bien joué, j'ai mal joué, j'ai très mal joué la game, c'est pas grave. Ouais, bon, on sent vraiment pas les matchs plus faciles. Honnêtement, on fait deux games de HC là, c'est chiant. Ouais, ouais. Je pense, en fait, c'était peut-être très miali si je dis pas de la merde. Peut-être. Non, il joue Giant, je sais pas, hein, ça va être niveau 12 quand même. Niveau 12, 7k2. C'est possible. Bon, j'exclus pas la possibilité que ce soit un miali, donc ça va. Et on part dans cette prochaine game. Ok, c'est parti. Enfin, sur cette troisième game, je vous jure les gars, ça fait legit 1 minute 30 que j'attends. N'importe quoi, vraiment. Ok, une mauvaise bûche. Tant mieux, on commence très très bien la game avec une petite collection de voleuses. Ok, on va le mettre avec ceci, sinon on va prendre trop cher avec l'arty. Et l'arty pour mourir, nickel. Elle meurt. C'est parfait, on a l'archer si il met un truc. Oh, ça coche aussi. Alors si coche aussi, si il met une Tesla ou pas. Ok, on va aller zap ça. Hop. Une bûche. Plus une Tesla, d'accord. Le du coche aussi. Ok, on va pouvoir activer la tour du roi, même si il met un cochon. Parfait. Voilà, là on se met vraiment bien. Ok, la voleuse. Parfait. On a un petit fantôme en plus. Ok, là il donne une value d'archer. On va la prendre. Hop, l'archer qui va lui mettre de bons dommages. Ok, en plus il me le recentre. C'est pas mal. On va lui mettre un petit... Oh, vas-y, c'est un forceur. Okay, on va aller prendre la tour sur ça, je pense. Ok, c'est bon, là, ça suffit. Alors, écoute, c'est une petite pression à droite. On hésite à garder la pression même quand on a pris le tour.
Et bah, je crois qu'il a rage quitte, hein. Donc on va tout simplement mon poche. Ok, c'est parti, dernier game contre ST3PNI. Derrière ou pas? Je sais plus si c'est la dernière. Je sais pas. Je vais à ça après. Donc dernière ou avant-dernière game. Hein. Ok, bon, je vais PK, là, j'ai rien d'autre à faire, je vais mettre un panneau de bélier ou... Ah ouais... C'est relou ça. Alors on a toujours dit que quand on peut pas, quand on peut pas défendre, on attaque. Oh non mais là frère, c'est de l'abus là le jeu. Ah ouais non mais là c'est du giga abus là, wesh. Ah ouais, horde, armée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok bon on push. Donc horde, armée, bats, armée, ce que... Attends, armée, chauve, horde, mini PK, géant. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mousquetaire, non, rien. Tornade. D'accord. Zap, c'est qu'il a un zap qu'il a joué au début. Ok, nous sommes à 6 cartes. Donc il nous reste 2 cartes inconnues. Son géant. Et le mec en premier, sa horde. Ok, c'est du zapis, d'accord. Est-ce que vous pensez si je mets un bélier au pont, il horde ou pas? Ou même armé? D'accord. C'est pas vraiment son souci. Apparemment. Ok, bon. Je vais mettre une voleuse à droite en pression. On va sûrement perdre la tour. Ok, on perd pas la tour, tant mieux. Donc il a sa horde, n'oublie pas. Je vais la poison. Je vais carrément la poison. On prend un coup de NPK, rien trop dramatique puisque. Bah non, puisqu'on va perdre la tour en fait, donc c'est carrément stupide. On a les. Ça, le zap pour les bats. Hop. On le savait hein, qu'il avait ça. On va les snap avec l'archer. Mettre un max de dégâts. Forcément, l'archer va mourir, mais c'est pas grave. On va mettre une double pression. Ok, il met un zapi défensif, ça c'est bien joué. Pas du tout. Ok, il met un géant là, on va pouvoir le snap très très haut. Il y a des flèches et un zap. Donc, on a perdu notre tour. On a perdu la game contre ça là. Juste parce que j'ai pas réussi à reconnaître le deck. Oh non, quel handicapé. Enfin, juste sur une erreur début de game. Hein. Attends, peut-être le bélier qui peut connecter. Oh la chatte que j'ai. Ok. Ça continue, pré-shot horde. La pré-shot horde. Et on va aller prendre cette win. Remontada Justinson, hein, je vous dis direct. Cette game masterclass. Juste dis, cette game masterclass. J'avais perdu la game juste à cause d'une petite erreur que je mette PK à fond de map parce que j'avais pas reconnu le deck. Et ouais, au final ça s'est bien passé. C'est vrai que le deck j'aurais carrément pu le reconnaître quoi. C'est. Ouais non, c'est moi. Hein. C'est carrément moi, bon c'est pas grave, on va partir dans cette dernière game cette fois, c'est une certitude, on se retrouve devant, on commence. Ok, c'est parti, dernière game. La vidéo compte 3 plus 3 égale 33. Ok, bon bah on va le trouver, hein, j'annonce. Ok, Golem c'est un bon matchup, hein. Golem, ok, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va aller mettre un petit archer. On défend tranquillement. On va aller forcer avec un petit fantôme. Tranquille, ok. Il met un petit sorcier en plus. Pas trop compris son sorcier. Oh non, ça c'est chiant. On va mettre un bélier pour pouvoir récupérer notre PK. On a besoin de voir ce qu'il joue. Ok, on va mettre le PK ici alors. Oula, ok. Étrange son move. Très étrange même. On va aller mettre une voleuse à gauche pour aller prendre la tour, et peut-être le PK qui va prendre la tour, soit il défend l'un, soit il défend l'autre. Ok, donc il préfère perdre la tour, et défendre le PK, pourquoi pas. Ok, on va mettre un petit archer, plus un petit zap ici, pour être sûr de prendre 0 dommage. Parfait. Parfait, bon, je pense que c'est Carbon Free Win. Squelette géant rage,
Pas sûr du concept. Excusez-moi pour la petite notification. Ok, mais tour à bon plus sorcier. Ok, t'as un petit fantôme ici. On va défendre les sorciers tranquillement sans prendre de coups. Hop, parfait. On va mettre une petite voleuse au milieu dans ma duo. De toute façon, est-ce qu'il va défendre? Je suis même pas sûr, voilà. Ok, c'est mes sorcières. D'accord. Des babars. Pourquoi pas? D'accord. Très bien. Ok. Voilà, mon PK qui reste en vie, qui permet de tuer les barbares, le skull géant et le clone. Et là, on peut voir. Et là, la tour à bon fond de map, d'accord. Ouais. Pas sûr du concept, mais pourquoi pas. Voilà, c'est parti. Double PK, les gars, on rigole plus ici. Il n'y a plus aucun fun. C'est vrai qu'il a... J'avais oublié qu'il avait des barbares. Ah ouais, c'est ultra utile ce qu'il vient de faire, quoi. Voilà, on peut spam. Là, on essaie de bourrer un max. Par contre, il est chiant, là, frère. Il y a vraiment un peu open ces trois couronnes, là. Regarde-moi ce forceur, là. Bon, dommage, on a un peu de quoi de spam sur notre dernier pass, donc il n'y a rien de grave. Ok, bon. Hop. Et du coup, on a appris notre dernière game contre lui, ouais, qui était A9. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à un pouce bleu. C'était vrai coup. Ciao, ciao.